Mais oui, l'école est finie, les Français vont pouvoir partir en vacances. Mais ce vendredi, c'était aussi le jour du bac, du moins pour les résultats. Au lycée NR d'Altkirch, un candidat au bac S a frôlé la perfection, meilleure moyenne du bahut, 19,84 sur 20. Chapeau bac, jeune homme. Après le bac à sable, pas de trêve sur ligne 68. Bonsoir la communauté. Le vendredi soir, vous savez qu'on refait la semaine sur ligne 68, mais cette fois en version estivale. En voiture d'abord devant la gare de Colmar, la société LK Cunégel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer enfin Kutzik, le tourbus du vignoble colmarien. De quoi s'agit-il? D'un car cabriolet rouge qui dessert 8 communes remarquables, dont Kaysersberg-Vignoble, Ribeauvillé et Guisheim. C'est 15 euros la journée. Vous montez, vous descendez comme vous voulez pour visiter la commune choisie. Si maintenant vous vous arrêtez à Riquewihr, enfourchez donc un scooter électrique pour une virée avec ou sans accompagnateur. C'est le nouveau produit touristique que propose Daniel Clac. C'est un vigneron, mais c'est aussi le maire de la commune médiévale. Le produit, c'est Rick EcoTour pour donner une claque aux déplacements polluants et pétaradants. En plus, c'est sympa. Du bruit, il y en a jusqu'à dimanche sur la presqu'île du Malsaussis où la tribu eurocaine est de retour. Les eurocs avec leur plateau, mais aussi la chaleur, la poussière. La douche au camping, c'est vital, ça fait du bien le matin, mais il faut la mériter. Le deuxième jour, ce soir, c'est celui de Nekfeu, Petit Biscuit, Jeanne Haddad et du grand retour d'Alpha Blondy. Jusqu'à demain soir, une autre ambiance aussi, cette fois dans les Hautes-Vosges, à la Bresse. Bolder se lance dans le son et lumière cette année, sur le sentier des Lumières. C'est à la recherche d'un chemin de vie pour recouvrer ses racines dans les Hautes-Vosges et déconnecter nos écrans. Faut pas trop déconner car sinon vous ne verrez pas ligne 68. Surtout que ligne 68 se cale sur les vacances. Vous pouvez aussi lire, comme par exemple le Sundgau à vélo de l'office de tourisme du Sundgau, histoire de préparer peut-être une randonnée à vélo. Bel été à vous, merci d'être fidèle à Ligne 68, à la semaine prochaine.